breaker, you got the best of me. Hello mes bébés, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je suis là pour une vidéo qui me tient trop à cœur. Parce que comme vous savez, je suis une amoureuse inconditionnelle des années 90 et 2000. Je n'écoute que la musique des années 2000. J'aime trop les films des années 2000, je trouve que c'était trop bien. Les séries, le mood, les accessoires, la mode, l'ambiance en elle-même. Genre l'époque en elle-même, elle était trop bien. Genre je suis amoureuse de cette époque. Et donc du coup j'ai eu une petite idée. Parce que je kiffe les looks des années 90, la musique, j'écoute tout le temps du R&B. Et quand je vois leur look, là je regarde les clips, je me dis mais tout le temps je dis pourquoi j'ai pas eu 20 ans à cette époque. Et je refais des ravages, des ravages. Et donc aujourd'hui je décide de faire un kiff. J'ai dit allez Yanissa, on se fait plaisir, on sort les perruques, les vêtements et tout. Je vais reproduire des looks iconiques des années 90 et 2000. Donc j'ai fait un petit shopping sur Boohoo. J'ai regardé des photos des années 90, je vous cache pas, je suis allée sur Pinterest, j'ai regardé les clips sur YouTube et tout, je me suis inspirée d'un peu partout et j'ai dit je vais faire ça. Et j'ai pris tout ce dont j'avais besoin. Regardez, j'ai même les lunettes d'époque, la perruque d'époque, le haut d'époque. Parce qu'en vrai, la mode des années 90, elle revient grave. En fait, quand je regarde comment les jeunes s'habillent maintenant, c'est-à-dire les jeans taille haute, les crop top, les lunettes un petit peu, vous voyez, les lunettes un petit peu fumées en marron, rosé comme ça. C'est vraiment les looks à l'ancienne en fait. C'est comme ça que tu vois que la mode en fait, c'est un cercle. C'est-à-dire que tout revient. Même les années 70, ça revient. Ça commence à revenir avec les pantalons de pattes d'eff et tout. Et c'est là que tu vois qu'en fait, tout revient. Les trucs léopards et tout, c'était super à la mode quand j'étais petite. Après, ça s'est grave démodé. Vraiment, on croyait que c'était super cheap et tout. Enfin, porter du léopard, c'est un petit peu mal vu. Et maintenant, les imprimés animaux, c'est grave revenu. Et c'est comme ça que tu vois que la mode, en fait, c'est une réinvention perpétuelle. Mais en tout cas, moi, je suis juste trop contente que là, vraiment, mon époque préférée soit tendance. Donc là, on est parti pour un petit quart d'heure. Tendance, années 90, 2000. Levons-nous, on va un petit peu s'écarter et on va faire le look. Le premier look que je vais reproduire, c'est un look super badass de la queen des années 90, Alia. Ah là là, alors Alia, c'était une icône du style. Quand vous voyez les photos d'elle, je crois que c'est elle qui s'habillait le mieux à cette époque. Elle avait un look, il était incroyable. Un look, même si tu vois que certains détails, tu sais que c'est elle. Donc, le premier look, c'est ce look. Vous voyez donc, chemise blanche, gros baggy noir, un petit crop top noir. Le bandana, pièce importante. J'ai réussi à tout avoir. Maintenant j'espère juste que ça va ressembler. Parce que les pièces c'est pas exactement les mêmes que sur la photo. Mais je pense qu'en assemblant on peut faire quelque chose de bien. Je ressemble à rien, c'est un truc de fou. Donc le short je le garde. Donc ça c'est un short qui est à Dominique. Parce qu'il me fallait absolument un short d'homme. Je vais mettre le jogging. Donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle a mis son jogging par dessus en short. Et ensuite un crop top. Donc le crop top, où est-ce que je l'ai mis? Hop là, là on est bon. Il manque la chemise, donc grande chemise que j'ai prise sur Boohooman. Et d'ailleurs, je vais bien la garder celle-là parce que vous savez que les super grandes chemises, en ce moment, c'est la tendance. Avec des baskets ou avec des talons, je mets une grande chemise d'homme et ça fait super beau. Donc, je vais changer les cheveux. Donc, j'ai mis la perruque. Sincèrement, ça ne ressemble à rien. Et je vais mettre le bandana par-dessus. Et bim, oh, je suis trop badass là. Les cheveux, ils sont en arrière. Et pièce manquante, les lunettes. Bim. On reproduit la photo. 3, 2, 1... Next look, on passe à Mariah Carey. Mariah Carey, icône de la musique R&B, meilleure chanteuse du monde. Ne me mentionnez pas, c'est la meilleure chanteuse du monde. Je fais le look de Heartbreak, you got a pair of me. J'ai réussi à trouver à peu près les mêmes pièces et j'espère que ça va le faire. Donc moi j'ai pas pris un taille basse parce que vous savez que taille basse c'est pas pour moi, j'ai du bide. Et j'ai pris la pièce maîtresse quand même, la pièce maîtresse du look qui est le petit haut en crochet. Donc j'ai pas trouvé un haut rose comme elle, mais je pense que ça va le faire parce que c'est vraiment exactement le même délire. Ta-da! Break, you got the best of me. Non mais là je suis pareil, excusez-moi. On reproduit la pose. Elle est comment? Genre elle est comme ça. Ventre plat. Bon attends, on essaie de faire un ventre plat, Yanissa. Vas-y. 1, 2, 3. Qui dit années 90? Qui dit R&B? Dit Destiny's Child. Can you pay my bills? Can't pay my telephone bills. So you and me all through.
Donc les Destiny's Child, c'était un look de folie. Elles avaient toujours des tenues qui étaient super coordonnées. La photo que j'ai retenue, c'est celle-là. Iconique, la salopette, les brassières, les caleçons fins. Juste magnifique. Pour ce look, j'ai pris une salopette. Et comme il n'y avait pas de brassière de sport un petit peu similaire, j'ai pris deux brassières. J'ai pris un rouge et un noir et je vais les superposer pour faire un petit peu le même délire de brassière de sport. Et j'ai pris un caleçon parce qu'elles ont des caleçons du coup qui remontent un peu. Et j'ai pris un caleçon au rayon mâle et j'aime trop. Vous savez que moi je kiffe les caleçons d'hommes, genre je trouve que c'est trop confortable. Moi j'aime pas trop les culottes de grand-mère, donc soit c'est string, soit c'est caleçon. Et pour une fois que j'ai pas besoin de voler ceux de Dominique. Du coup la salopette fallait la prendre en super super oversize. Et ça, je remonte à fond. J'aime trop, je me sens dans les années 90. Prochain look. Qui dit années 90 dit les groupes mythiques. On a fait Destiny's Child. Et si je vous dis hip-hop, R&B des années 90, vous pensez quoi? I don't want your number, no. I don't wanna give you my name, no. Les TLC. Genre moi, quand j'imagine le look des années 90 des chanteuses de cette époque, j'imagine directement les TLC parce qu'elles avaient vraiment un look propre à elles. C'est très garçon manqué, c'est très baggy. Mais les trois, elles étaient tellement belles et tellement talentueuses. Enfin, ça leur allait trop bien, tu vois. En fait, elles étaient vraiment garçon manqué. Et c'est ça qui leur donnait ce charme, genre c'était trop trop beau. Donc j'ai réussi à avoir toutes les pièces. Pour Chili, je me suis complètement changée. J'ai pris le t-shirt rouge, le short rouge, faut qu'il soit un petit peu remonté. Putain, elles avaient des ventres plats. Et du coup, le jogging. Je mets mon short comme ça. Les cheveux ils sont trop longs, donc ce que je vais faire, je vais rentrer un peu à l'intérieur. Ah, c'est exactement ça. Le prochain look et le dernier, c'est le look de la magnifique J-Lo. Encore une fois, une icône des années 2000. C'est la chanteuse latina, la bomba latina. Et donc aujourd'hui, je reproduis ce look mythique quand elle sortait avec P. Diddy. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais oui, Jennifer Lopez est sortie avec P. Diddy. Alors qu'il soit avec les Cassie, les ceci, les cela, elle était avec lui. Sinon, c'est un beau couple. Hein. Moi, j'aimais bien. Donc aujourd'hui, je reproduis ce look. Le pantalon. Allons, ça a été un peu compliqué parce que déjà le blanc c'est pas très flatteur sur moi, mais en plus le taille basse, donc on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. On a le bandana, donc le bandana il est un petit peu enroulé, enfin plié, donc je fais un truc zirma bim. Le bandana bien posé sur le front, les cheveux qui sortent comme ça. Elle a une petite ceinture, donc j'ai réussi à trouver la petite ceinture. Et je l'ai pas trouvé argentée, donc du coup je l'ai pris en doré. Les petites créoles. Et du coup elle a un petit truc écrit en paillettes sur son t-shirt. Sauf que comme j'ai pas réussi à trouver un crop top avec des trucs écrits en paillettes, bah j'ai pris des écritures en paillettes. Bim. Ah là, excusez-moi, mais on est dans le truc. C'est exactement pareil. Je suis trop forte. Et donc du coup là je suis en mode all white. La petite ceinture, le petit haut, les écritures, tu vois, ça fait grave années 2000. La perruque, les petites boucles d'oreilles et les bandanas. Excusez-moi mais celle-là c'est vent sur vent. Celle-là c'est vent sur vent, c'est exactement pareil. C'est la même chose. Genre je suis mis pas aimée, en plus j'ai trop envie. Invitez-moi dans des soirées. Je vais m'habiller comme ça genre. Ooh, if you gotta give me yes you don't. Think you gotta give me your cash I want. Ouh, j'aime trop. Les petits loups. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Sincèrement, moi j'ai kiffé, je me suis trop amusée. Là, je suis en mode, là ce soir, je peux partir en soirée année 2000 normale. Genre, trouve-moi une soirée à thème ce soir, y a pas de soucis, je viens, je suis déjà habillée. J'aime trop. Oh là là là, je suis love. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai kiffé faire cette vidéo. D'ailleurs, ça m'a donné grave des idées sur d'autres vidéos dans le même style et tout. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous aime de tout mon cœur. Dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé. J'ai adoré. Je vous mets mon code promo qui est chez Bouhou juste ici. En ce moment, c'est les soldes. Donc, allez-y. Y a pas de problème. Lâchez-vous. C'est bientôt fini d'ailleurs. Et voilà, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Et puis voilà. Je recommence tout parce que c'était trop nul. Salut les loulous. Sissi la dégaine. Sissi la dégaine. Qui dit? Ok. Ton cœur.